Tu veux mon blé, tu veux ma caisse, tu veux ma vie. Tu veux mes clés, tu veux ma chaise, tu veux ma vie. On te rend ça, tout le monde sait que tu m'envies. Pas dans les blablabla, j'suis pas dans les blablabla. Tu veux mon blé, tu veux ma caisse, tu veux ma vie. Tu veux mes clés, tu veux ma chaise, tu veux ma vie. T'inquiète, hein, le son de ton PC il marche, c'est juste moi qui t'ai fait un petit prank comme j'ai l'habitude de faire. Et mettez un j'aime et dites-moi en commentaire si vous avez cru que c'est votre PC qui avait un problème ou votre son. Salut Internet, c'est Kamof, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et c'est un nouveau format parce que le but de cette vidéo est de rester enfermé dans un laser game à 2h du matin. Avant que la vidéo commence, on va faire un petit concours. C'est complètement gratuit et tout le monde peut y participer. Si vous voulez gagner un t-shirt Kamof gratuitement, vous avez plus qu'à ajouter mon ami Soso BDM sur Instagram. Vous nous envoyez la preuve que vous êtes abonné à son Insta à l'adresse email qui s'affiche en dessous et on tirera au sort quelqu'un pour justement faire gagner ce t-shirt. En parallèle, allez voir le clip du frérot Barak Adama qui a sorti son son il y a 2 semaines. C'est vraiment du lourd. Je vous invite à aller sur sa chaîne et à dire que vous venez de notre part parce qu'il fait du son qui est vraiment énorme. Et bientôt, des choses lourdes arrivent. Je vous conseille de rester connecté. Pas besoin de faire de l'intro beaucoup plus longue. Tout est dit dans le titre. On regarde la vidéo et on se retrouve à la fin pour une petite conclusion. Ciao! Salut les gars, donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau format. Je suis en compagnie de l'équipe. Steven, Soso et Bâtard, leur Insta il s'affiche, si vous voulez les rajouter n'hésitez pas. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, on va prendre un énorme risque. On va aller dans le laser game qui est juste derrière nous, qui se situe à Plan de Campagne pour ceux qui sont de Marseille et qui connaissent le laser game Evolution, il est juste derrière. Et le but ça va être de rester enfermé dans le laser game une fois que tout le monde est parti et le patron et les employés y compris. Donc il va falloir être discret, il va falloir qu'on fasse très attention et si on y arrive, je peux vous garantir que dedans, on va faire tout et n'importe quoi. J'espère que cette vidéo vous plaira. On va rentrer dans laser game tous ensemble et on va essayer de se cacher comme on peut. Ciao. Pour l'instant, on va faire semblant de consommer. Et après, là, ça ferme à 2h parce qu'on est samedi soir. Et vers 1h, 1h30, on commence à se camoufler. On va faire des coups. Et on essaie de pas faire des coups, on va essayer de voir. Bah, on se camoufle au max, ouais. Cacher, tu vois, ouais. C'est ça. C'est moi qui ai mis, t'es, les gars. C'est moi qui ai mis. C'est mon plan, ça. Je pense que vers 1h30, comme j'ai dit tout à l'heure, on ira se planquer. Donc voilà, on a encore une bonne heure et demie à rester là. Et après, dès que ce sera le moment de se cacher, on filmera tout avec les GoPro, avec les caméras, tout ça. Et voilà, donc là pour l'instant on va déguster tranquillement nos boissons et on se retrouve après à 1h30 quand le laser game va commencer à fermer cette porte en espérant qu'on se fasse pas choper. Donc les amis, le laser game commence à se vider, je vois qu'il y a les employés qui commencent à ranger un peu à droite à gauche. Donc nous là, ça va être l'idéal pour aller se cacher parce que si à la fin il reste que nous, ça fait vraiment remarquer. On va aller se cacher là et dès qu'il commence à avoir moins de monde, dès que ça ferme, on sort de notre cachette. On va faire 2 équipes, d'accord? Toi tu pars avec le caméraman et Bâtard, faites une équipe. Ouais. Et moi je pars avec ce seul et deuxième caméraman. Gros, baisse un peu la caméra, ça fait chauffer s'il te plaît. Comme aux toilettes, venez, moi, on fait ce qu'on va. C'est où les toilettes? Les gars, venez, non. Il y a des portes. Eh ben, il y a une équipe qui va là-bas et une équipe qui va là-bas. Viens. Nous on se met là-bas. Vous mettez là. Écoutez-moi. Les gars, on se donne rendez-vous dans 1 heure. Dès que ça ferme, je vous appelle, gardez vos téléphones, on s'appelle. D'accord? Restez là, ne bougez plus d'ici. Ok? Nous on va dans l'autre salle. Okay. Il faut pas chauffer, frère. Il faut aller là, derrière. Il faut qu'on aille derrière, personne ne nous verra. Tu peux aller derrière? Ouais.
là, il y a des chiottes, viens. C'est bon, il y a une verrou. C'est bon. Ah ouais. Non, n'allume pas, il t'aide. Voilà, il est minuit 51, on va rester une heure, il ferme à 2h, on risque même de rester un peu plus, on va rester jusqu'à 2h30 même. Pendant plus d'une heure, on va rester là, donc voilà, on attend et on verra bien. Des cartes. Hein ? On va dû prendre des cartes. Voilà, en vrai. Il m'appelle. Allô ? Ouais, Steven ? Oui. Ouais, vous êtes où là ? Vous êtes toujours dans les toilettes ? Ouais, toujours toilettes. Et ça va, ça se passe ? Il n'y a personne qui est venu ? Il n'y a pas de bruit, il y a des gueules ? Non, personne. Nous, on est passé à l'étage là, on est à l'étage. À l'étage ? Ouais, je suis à l'étage et on a un verrou. Vous avez un verrou vous aussi ? Non, on a pas. Et ben voilà, ben, s'il y a quoi que ce soit, les gars, s'il y a un mec qui vient ou quoi, qui vient vous ouvrir, surtout vous ouvrez pas. D'accord ? Ça va, t'inquiète. Ok, là, il nous reste quoi ? Une demi-heure à tenir, je vois qu'il y a encore du monde. On va voir. Ouais. Dès qu'il n'y a plus personne, je vous appelle et on sort en même temps, ok ? Prenez pas de risque, sortez pas tant que je vous le dis pas. Ok, les gars ? On reste là et on bouge pas. Oh là. On rappelle Steven ou quoi, c'est 2h33. Plus, je montre aux gens quand même. Voilà. Il est 2h33. On va appeler Steven parce que depuis tout à l'heure on s'est pas rappelé en fait. J'ai failli m'endormir. Allô ? Ouais, Steven ? Ouais. Vous êtes toujours dans les chiottes ? Ouais, toujours. Bâtard, il a la GoPro sur lui ? D'accord, moi je vais mettre la GoPro à saut. Mettez-la vous aussi. Là j'entends plus de bruit. Je sais pas s'il y a du monde ou pas, frérot, j'en sais rien. Ne bougez pas, vous. Moi je vais sortir, je suis en haut, donc je vais voir s'il y a du monde, ok ? Ça va, d'accord. Allez, vas-y, bougez pas, je te rappelle. Voilà, il a installé la GoPro. On attend qu'on tourne, on va le récupérer. Maintenant, il n'est plus qu'à patienter. On sait pas si. Il reste du personnel dans le laser game ou... C'est sûr. Je pense qu'il doit arriver. Y'a quelqu'un dedans ? Oh ! Allez, sortez les truffes, allez. C'est un dos. Se sont cagués dessus, hein ? Hein, vous avez eu peur ? Hein ? Il s'est mis la GoPro, frérot ! Il a la GoPro sur la tête ! C'est magique. Mais bon, y'a tout qui est éteint, frérot. C'est quoi, ça ? C'est la salle laser game, ça ? Regarde, ils sont tous allumés. Tiens, regarde. Non, ils sont allumés. Non, ils sont allumés. Il n'y a pas les cibles. Mais on s'en fout. Regarde, ils sont allumés, je te dis. Ah ouais ? Ils sont allumés, frère. Ils sont tous allumés. Ouais, regarde, là, c'est allumé. Là, c'est allumé. Non, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. On est combien ? 6 ? Ah, les caméramans, vous voulez jouer avec nous ? Vous voulez faire une partie ? Allez. Comment ça marche ? Attendez. Il faut le mettre sur l'ordi ou une DR comme ça, non ? Tu vas le faire monter là-bas ? Oh, il n'y a pas d'alarme. Tiens, c'est ça. Il y a les équipes et tout. Je pense que dès que c'est bon, je crois que c'est de s'allumer, ça, non ? Si on arrive à jouer. C'est bon, ça, les gars, là, il n'y a personne, on va pouvoir s'amuser. Petit laser game, notre terrain de jeu, il est là. En gros, il y a écrit rouge, jaune, bleu. Ça, c'est les équipes. Qu'est-ce que c'est, ça ? Oh, ça m'a cagué, frère ! C'est quoi, c'est la machine ? C'est les machines, frère. Oh, ça m'a cagué ! Tant. Je me suis chié dessus. Donc, attends, ça marche comment, ça ? Comment ça marche ? Ajoute tes joueurs. Après, je mets quoi ? Breu-breu ? Ouais, c'est breu-breu. Moi. Ok. Après, je mets quoi pour bâtard ? Je mets bâtard. Attends. C'est bon ? Je fais quoi ? Je lance la partie ?
Jérém. Oh, ça a marché, les gars. Non, non. Attends. Bro, bro. J'ai trouvé, bro. Allez, dans 5 secondes, ça commence, les gars. Voilà, dommage. Oh, je suis avec qui? Allez, ça y est, on a deux jeux. Ça va, t'as une kick? J'espère, j'espère. Ah, il va niquer par derrière, gros. T'as de bâtard. Là. Oh, depuis tout à l'heure, on est revenu. Tu veux pas que ça vienne? Putain, je me suis fait baiser. Tu veux me niquer, toi? C'est dans mon équipe et tu veux me niquer, mais c'est n'importe quoi. Arrête! Il a écrit le tour. T'es une salope, toi. C'est bon. Ouais, non, rangez tout, les gars. Rangez tout. Oh. Combien ça coûte, ça? 3 euros? 4 euros, frère. Ouais, ça va, 4 euros. Sous la tête de ma mère. Ah ben, hey, c'est trop cher. Regardez 4 euros, regardez le prix. Non, ça va, on met 4. Ouais, on met 4. On est là, c'est là, c'est pour la monster qui se chauffe. Voilà. Comment vous avez vu? Elle est là, c'est là. Elle est là, elle est là. Comment on fait? On fait pas le meilleur score, c'est qu'un mort. Tous ceux qui viendront au plein de laser game évolution 2, plein de campagne. Essayez de battre ce score sans tricher. 381, c'est nous. Y'a pas, bon les gars. Oh là là, à 380, on a pas triché, j'ai fait tout seul, gars, moi. Ah, c'est le speed de la rue. Je sais pas si c'est. Ah, c'est une blague ou pas, mais de... ils font que parler de... d'appeler Schmitt dans le live. Ah ouais? Mmh. Ah, vous voulez appeler la police? Sûrement une blague, hein? Appelez la police alors. Oh putain, c'est quoi la police? Les gens, j'arrête, ils viennent d'arrêter le direct. Parce que ça disait, ouais, on a appelé les flics, machin. Mais ils ont pas l'adresse, c'est impossible. Les gars, par contre, c'est bien mieux de sortir, on va sortir. Comment on fait pour sortir? Mais il doit bien avoir une soucis. Il doit avoir une soucis de secours. Qui est ce secours? Non, 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 non. Ah ouais, là, par contre, les gars, je vous dis, faut attendre jusqu'à l'ouverture. Là, non. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de secours. En haut, peut-être, non? Ou dans une salle de la salle, tu vois une petite secours comme ça? C'est sûr qu'il doit y avoir quelque chose quelque part, quand même. C'est obligé, ça. C'est un perso, hein. C'est de la merde, hein. Là, c'est bon. On a même pas pensé. Allez, c'est bon.
Qu'est-ce que vous faites là? Hein? Un de fumée. Va, faites-vous sur plusieurs. Faites-vous sur plusieurs. Reste assis. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, amusant. Amusant quoi? À cette heure-ci, je t'amuse. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai ton ligne. Ah, si. Reste avec moi, tu me sais pas sur les gars, reste avec moi. Ah, reste avec moi. Monsieur, on cherche pas les problèmes. Oh, va me chercher les gens, t'inquiète, la police arrive, hein. T'inquiète pas. Ah, cherche-moi les gens. Ils sont plusieurs, avec ses collègues, là, j'ai chopé. Regarde, fais tout. Il y en a qui sont partis dehors? Fais tout. Ils sont où? Ils sont pas attrapés. Ils sont pas attrapés, regarde. Venez voir. Vous les voyez ou pas? Ils sont pas attrapés. Il arrive. T'inquiète. Ils sont beaux, ils sont rigolos. À cette heure-ci. Alors? On n'a rien fait de mal, en vrai. Je vous jure, on n'a rien fait de mal. Il a fait de mal, tu penses à quoi? Il fait de mal. On n'a rien cassé ou pas? On est resté, en fait, on est venu tout à l'heure en tant que client. Vous me reconnaissez ou pas? Tout à l'heure, on est venu. Ah, je vais les entendre. Vas-y, je vais. T'inquiète pas, on va appeler la police, t'inquiète. On n'a rien fait de mal. Non. Pourquoi on va appeler la police? Pourquoi? Ça sert à rien d'appeler la police. C'est pour ce petit réaction. C'est pour ce bordel. Attends. On rentre chez toi, non? Non, je suis d'accord, j'ai rien à dire. On est venu, on a voulu faire un petit truc pour nous, c'est tout. C'est rigolé pour un homme, mais pour toi ou pour lui? Il travaille, non? Je le fais se dépenser? Je fais 1 euro. Bon, droit de moi. Rodé, hein? Ah, les gars. Reste-toi. Bon, hein. Qu'est-ce que les gens vont croire si tu fais avec Rodé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je sais pas, gros, j'ai cavalé, pouf, il y avait un mec derrière moi, je me suis pris un truc, je sais même pas comment j'ai fait pour le perdre. Je me suis pris un truc dans le nez, je sais pas si tu vois bien. Depuis tout à l'heure, j'essuie, mais ça fait que recouler. Et la voiture, le problème, c'est qu'elle est garée devant. Pour y accéder. Putain. Bon, on va essayer de voir, là, pour voir s'ils viennent ou pas. Monsieur, voilà, tout à l'heure, vous nous avez reconnu, on est venu. Ouais, je m'en rappelle. Voilà, maintenant. En fait, on est resté caché dans les toilettes à un moment. Et quand vous êtes parti après, on est venu, on a fait une partie de laser game et tout. Et c'est normal de faire des choses comme ça? Ça vous amuse? Non, je n'ai pas dit que c'est normal, mais on a tout fait. Non, mais écoute, déjà, attends, stop, tu crois ça? Je crois que c'est ce qu'on m'a raconté. Non, parce qu'en fait, on fait des vidéos sur internet. C'est pour ça qu'on a fait ça, en fait, à la base. On a fait des vidéos sur internet. Ah, vous êtes des enfants, en fait. Non. Comme ça, on vient à 3h du matin, on dérange les gens. Hein, on se cache dans les toilettes. Mais non, comment on fait? Mais non, on a fait une identité. C'est quoi votre truc déjà? Camoff? Non, tu vois, t'es vraiment. Montre-moi ce qu'ils font. Camoff? Êtes mort! Pourquoi tu te balances toi-même? Camoff, c'est bon. Comment on va faire? Monsieur, franchement, je vous ai arrêté. Honnêtement, je suis désolé d'être venu vous avoir fait déranger, mais à la base, c'était pas quelque chose de mal. On n'a pas fait ça pour emmerder le monde, quoi. On savait même pas qu'il y avait des alarmes. Enfin, déjà, on serait revenu. Non, mais je t'explique, là, tu me fais déranger, je sais pas quelle heure. Tu es avec tes petits collègues, t'amuser. Normal, tu te caches dans ma. T'es bête, t'es malade, moi je fais là. Non, je suis d'accord avec vous. C'est là ton collègue, là, après, voilà, bah, après, voilà. Non, mais attendez. Après, je veux dire, on n'est pas des merdeuses. On n'est pas venu ici pour voler, on n'est pas venu ici pour cambrioler, pour faire quoi que ce soit. On est juste venu ici pour faire une vidéo. Et voilà, c'est tout. On a juste joué à 2-3 jeux, on a payé, on vous a même fait gagner de l'argent ce soir. Vous avez réussi à sortir? Hein? Vous avez réussi à sortir? Ils sont où les autres? Je sais pas, ils sont dedans, tu t'es éclaté toi. Je t'ai vu. Tu prends des risques pour ça, sérieusement? Tu prends des risques pour ça? Imagine, on t'aurait fait mal quand on t'aurait attrapé. Imagine, tu t'aurais blessé.
Non, mais... on va rester avec la police. Je peux vous montrer quelque chose, je peux vous montrer un truc. Je pars pas en courant, quoi. Je peux vous montrer un truc. Tiens-moi, si... venez. Venez, je pars pas en courant. On a laissé, ça coûte 4 euros le monster, on a laissé 4 euros. On a joué au jeu là-bas, on allait vérifier, on n'a rien cassé, on n'a rien touché, on a payé, on s'est amusé. On a rien fait de mal. Après, si vous voulez appeler la police, je comprends entièrement, il n'y a pas de soucis. Ça nous fait chier autant que toi en fait. Oui, non, je sais. Ça nous dérange à des heures. Je sais, je sais. Je comprends. Après, si je peux vous dédommager de n'importe quelle façon, je le ferai. Si vous voulez appeler la police, appelez-les. Mais on va faire un peu de garde à vue et si vous portez plainte, je sais pas. Mais on n'est pas venu ici pour faire des conflits. Sinon, tu comptes sur la caméra, tu comptes sur la caméra. Parce que sinon, ça ne change pas. Vous serez foutés. Vous êtes foutés, on vous foutera. Si vous voulez qu'on arrête de filmer. Arrête. Baisse. Elle est éteinte ? Non, elle est éteinte. Ah. Au garde ? Non, elle est éteinte, non, ça finit le truc. Oui, en gros, c'est pas bon. Mais d'habitude, nous, on fait des vidéos, on fait des expériences sociales, des caméras cachées. C'est pour opérer, gros. T'écoutes, décale. La sécurité, les gars, pour courir. Il y a des amis là, si vous étiez encore dans la jaquette, c'est parce que vous pensez à faire un tour. Appelle-moi la police. Voilà, c'est des merdeux, appelle-moi la police. Ça ne sert à rien de parler avec eux, appelle-moi la police. Je crois comprendre. Après, c'est trop avant de pousser, hein. Nous, on appelle la police de suite. Écoutez, moi j'ai un bon plan. On les attrape, attendez, on peut trouver un arrangement. Vous, on vous a dérangé, on est d'accord. Vous avez vu, on a rien cassé, on a rien volé. Oui, on est d'accord sur ça. Le truc, est-ce qu'on peut s'arranger autrement? Si moi, j'ai une communauté de 420 000 personnes, ça veut dire qu'on est... On n'est pas des grands entre nous. Ça, c'est mon visage. Vous voyez? Ça, c'est moi, c'est ma chaîne YouTube. Là, il y a écrit, voilà, on a 420 000 abonnés. C'est pas énorme, mais on a une bonne communauté. Moi, ce que je vous propose en échange, c'est qu'on vous fasse de la publicité pour la Laser Game et qu'on vous a dérangé pour rien. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est ça. Maintenant, si vous ne voulez pas, c'est pas grave. Là, si vous voulez appeler la police, appelez. Je comprends entièrement, vous avez fait exactement la même chose. Je suis désolé, je m'excuse. Toute équipe, elle s'excuse. Franchement, voilà. Mais dans tous les cas, on aurait fait de la publicité. Dans tous les cas. Non, mais moi, qu'est-ce qui m'a surpris, s'il te plaît? Allez, certes, t'as des bosses, on t'a rien classé. Ok, pas de soucis. Mais après, moi, je te connais pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, je comprends. Donc, les chances qu'on va faire, tu vas mettre ton numéro, ta identité. On va faire tout ça. D'accord? Moi j'ai pris parole. Si je dis que je ferai la pub, c'est que je ferai la pub. Cool. Sûr et certain. Non, on le fera. On le fait une fois. Je vous promets que c'est un mal pour un bien. Parce que je suis d'accord. Mais je vous promets que dans quelques jours, dans quelques semaines quand la vidéo elle sortira, vous en rigolerez parce qu'il y a des gens qui vont venir de notre part. Je vous le garantis. Sûr et certain, il y a des gens qui vont venir et vous diront, comment vous en tournez ici, vous verrez, c'est sûr. Ok? Je suis désolé de vous avoir réveillé à 4h du matin, mais voilà. Ok les gars? Merci. Merci. Faites attention. Merci. Son ? Je me suis cassé, je me suis pris une poutre. Enfer, la vie. Moi je me suis taillé, mais la pression m'a rattrapé. Car j'ai descendu les escaliers qui sont tout droit, tout dans l'entrée. Je suis sorti. Tu as réussi à t'enfuir comme ça ? Je voyais les étoiles et tout, j'étais comme ça. Je l'ai vu frapper. Genre lui il a frappé la tête. Bon, comme il a frappé la tête, je l'ai vu s'assis, il a manqué. Bon, merci à vous, 22, les amis. Là on va rentrer. Il est tard par contre. Il est très tard, 4h22 du matin. On a pris d'énormes risques dans cette vidéo. Au final elle s'est bien tournée. Surtout ne reproduisez pas ça. Les risques, ne faites pas ça. Regardez les risques. Il y a un risque qui s'est ouvert le nez. Nous on a failli finir au commissariat. Il y en a qui ont eu la chance de s'enfuir, mais cours vite, frère. Juste ne reproduisez pas ça chez vous, c'est très très dangereux. Et voilà, donc nous on se retrouve chez moi pour une conclusion, d'ici demain quoi, parce que là je suis éclaté. Et voilà, surtout ne reproduisez pas ça chez vous et venez au Laser Game, plan de campagne, le Laser Game Evolution, voilà. Ils vous accueilleront avec grand plaisir. Faites-nous honneur, allez les voir. Thanks. Ciao. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et que vous l'avez kiffé. Si vous voulez qu'on fasse de plus en plus de vidéos de ce style, qu'on reste enfermé dans plusieurs lieux différents, n'hésitez pas à aller dans l'onglet Ma communauté sur YouTube
et à voter oui ou non. Et en fonction des votes et en fonction de vos idées, on fera ce que vous nous avez demandé. Comme vous l'avez vu, c'était assez chaud pour nous parce qu'à la fin, il y a la sécurité. Ils ont failli appeler la police. Le responsable du laser game était là et ça a vraiment failli mal tourner pour nous. Et ça a mal tourné malheureusement pour Bâtard qui s'est fait mal, je sais pas comment, en se prenant une poutre, je crois. Il s'est vraiment fait mal au nez et vraiment, j'aimerais un maximum de gemmes. Juste pour Bâtard, parce que vraiment il a pris des risques pusher. Donc surtout, ne vous amusez pas à reproduire ça, ok? Nous on fait des vidéos pour vous divertir, on prend des risques pour vous divertir, mais vous ne prenez pas des risques inutiles, ça ne sert à rien. On le fait à votre place. En ce qui concerne les vêtements Camov, je le répète à chaque fois, mais comme il y a des nouveaux, je suis obligé de le dire dans toutes les vidéos. Si vous aimez notre marque de t-shirts, de pulls, de casquettes, l'été arrive, profitez-en, les prix ne sont pas chers et les frais de port sont offerts. Rendez-vous sur www.futuratech.com. Les paiements sont sécurisés et vous pouvez y aller les yeux fermés. On essaye en ce moment de vous divertir de plus en plus et d'ouvrir un maximum de concepts pour justement que vous soyez satisfaits de notre travail sur YouTube et pour pas que vous vous lassez de nos vidéos. Je vous fais de gros bisous à tous. Je vous dis à mercredi prochain, 18h, pour une toute nouvelle vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux, je le répéterai jamais assez. Et faites attention à vous. À la semaine prochaine, c'était Camoff. Ciao!